c'est uni, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de One Piece Treasure Cruise. Bref, c'est pas très... Oh là là, calme-toi Luffy. J'espère que ça va bien. Donc troisième partie, au précédent épisode, qu'est-ce qu'on avait fait? On s'était occupé de Lady Alvida. Si vous connaissez un peu One Piece, Lady Alvida, c'est tout le début, en fait ça suit vraiment pas mal l'histoire ce jeu. Et c'est une pirate un peu grosse qui s'occupait de Kobe, un petit matelot qui veut devenir un membre de la marine. Et du coup on s'en était débarrassé, puis après on était parti en quête de délivrer le sabreur Zoro Roronoa. Et du coup voilà, on est en plein téléchargement. Oh là là. Alors, j'espère que ça va pas trop durer longtemps. Bon, ça a l'air de pas être très long. Donc ça va. Voilà, donc on est en pleine tentative de délivrance de Zoro Roronoa pour en faire ensuite un membre de notre équipage. Enfin ça c'est dans le scénario. Après notre équipage il est composé en vrai de n'importe qui. Hein, vous verrez, comme on débloque des personnages, on fait combattre ensuite. Voilà, c'est composé un peu de gens qui ont rien à voir entre eux à la base. Enfin bon, ouais, ce truc de téléchargement, des fois c'est par rapport à des mises à jour, je crois qu'ils font ça les trucs de téléchargement. Enfin bon, ouais, c'est fini. Je vais vous montrer vite fait mon équipage hein, pour qu'on se mette, pour que vous puissiez voir. Je me rappelle même plus moi-même en fait. Taverne, on a 8. Ok. Ok. D'accord, j'ai plein de trucs. 8 capitaines sauvés. Ok. Ah bah dis donc. Approuvé, c'est quoi, c'est des demandes d'amis? Ouais, ok, y a pas de souci, moi ça me dérange pas. Hein. Je vois pas trop quoi servent les amis dans ce jeu, enfin. Je sais pas trop comment ça marche, mais bon. Lui on peut pas du coup. Et ça, c'était... Pour commencer, nous envoyons une gemme arc-en-ciel à chacun d'entre vous. Ok. D'accord. Du coup, amis. Liste d'amis. Faire ma liste d'amis, du coup. J'ai 3 amis. Ok, c'est très bien. Plutôt content. Et du coup, ajouter favoris, voir donner. Ok. Bon, par contre, il y en a un niveau... Dans tous les cas, ils sont plus forts que moi. Niveau 7, 29, 39. Ils doivent être assez loin. Voir message. J'ai des messages. Ah non, mais c'est ça, ok. Ok. Taverne, ensuite. Je contente un recrutement. 200 points. Je crois qu'on a combien de points? 8 recherches à la suite, 1600 points. On a 1700 points d'amis. Allez, on y va. Hein. 8 recherches à la suite. Hein. Bon, il va faire ça 8 fois ou ça me libère 8 affiches d'un coup? Ah non, 8 affiches d'un coup. Très bien. Alors. Ok, on a lui. Bon, lui c'est un truc qu'on va... Il va servir à comment? À augmenter quelqu'un d'autre je pense. Ah ouais mais j'ai que des pas terribles. Hein. Ah lui, moi, Yozaku encore, ça va être intéressant. Ok. Bon, bah écoute c'est très bien. Du coup, qu'est-ce qu'il veut faire? Renforcer, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait renforcer? Est-ce qu'on renforce Luffy? Faire lui, il est bon. Attends. Il a attaque, il a 129-64. Lui, c'est 318, il va falloir que je l'augmente. 129, 101, non, c'est moins bien. Bon, attends, Baggy, lui, il est à 345, pas mal. Hein. Ok. Lui, par exemple, 215. Ah, lui, il faudrait que je l'augmente. Lui, j'ai bien envie de l'augmenter. Plus genre tous ces gens là qui servent pas à grand chose. Et ça aussi. Et ça. Non je peux en mettre que 5. Renforcement là je pense que ça devrait l'augmenter pas mal. Mais il a l'air d'être pas mal, plutôt fort dès le début. Donc vous voyez plus 21 PV. En attaque il est à 110 déjà. Je sais pas, ça me paraissait pas mal. Voilà, pas mal. Il dépasse les 300 en PV et en 132 en attaque, c'est pas mal. Ok, voilà. Bon, voilà, c'est tout. Hein. Attends, il y en a peut-être que dont je peux me débarrasser. Peut-être je vais renforcer un peu Luffy avec ceux que je peux, dont je peux me débarrasser. Voilà, on va enlever les deux. On va garder celui qu'on a fait niveau 10. Et voilà, renforcement. Bon, il était déjà presque niveau 9. Hein. Donc ça, allez, peut-être niveau 10 aussi. Très bien. Ok, très bien. Pas mauvais. Ok, donc ensuite,
ce que je voulais faire, équipe chantier naval. Non, comment je fais pour les améliorations déjà? Cola Rocky 2, ouais, j'en ai pas. Modifier équipe, voilà, c'est ça. Du coup. Parce que du coup, mon équipe elle a un peu changé. Là, et... Attends, voilà, là on va faire une nouvelle équipe. On va mettre le Fi. Mais alors, ah, on va mettre ensuite lui. On va mettre lui. Et on va mettre. On va mettre lui, je sais pas. Voilà, comme ça me paraît très bien. Attends, on peut en rajouter encore un. Mais non, on peut en rajouter n'importe lequel. Bon, voilà. On va y aller, on va continuer l'aventure. On a fait ça en 5 minutes. Bon, voilà, on a perdu 5 minutes, mais je pense que c'était important aussi. Du coup, il faut qu'on finisse ça. On était toujours en train de libérer, vous voyez, chapitre 3. Je crois qu'il y a généralement 3 chapitres par... On va prendre le meilleur. Hein. On prend lui, hein. On prend le meilleur, sélectionner. Voilà. Donc, généralement, il y avait 3 chapitres par lieu, par zone. Donc là, on a le 3ème chapitre. Est-ce que ce sera le dernier? Je pense que oui. Donc, on va enfin débloquer Zoro Ronoa. Zoro a tué un loup qui menaçait des enfants. Mais ce loup appartenait en fait à Hermep. Ah, d'accord, c'est pour cette raison qu'il s'est fait arrêter. D'accord, on découvre pourquoi il s'est fait arrêter. Très bien. Cet homme est-il réellement aussi monstrueux qu'on le dit? Ah oui, il a sauvé des enfants, en fait. Mais il est pas monstrueux, alors? Bah oui, si c'est le gars à la tête de... À la coiffure de merde qui vous a dit ça, vous avez envie de finir suspendu. Comme ce bandit de Zoro. Dans 3 jours, il y aura lieu son exécution publique. Dans 3 jours, qu'est devenue la promesse que vous lui aviez faite? Il va de soi que ce n'était qu'une plaisanterie. Il faut au moins être aussi bête que Zoro pour prendre une telle blague au sérieux. Ah, Luffy, il a entendu ça. Et il est pas content, j'ai l'impression. Non, j'ai l'impression qu'il est pas super content quand même. Bon, combat? C'est un combat du coup? Ok, le fils du colonel. Vous allez mourir en beauté. Ok, il y a 5 parties. Alors, on va commencer par... l'ami. Voilà, on s'en est déjà débarrassé de lui. Ah, 35 berries, c'est très bien. Et tiens, on va encore commencer par lui. Mince, par contre, j'aurais pas dû attaquer celui-là. Ouais, parce que du coup, il m'attaque, j'aurais pas dû faire ça. Tiens, on va attaquer avec lui. Mince, voilà, on attaque maintenant. Voilà. Voilà, allez, et c'est fini, normalement. Voilà, il était résistant, celui-là, hein. Allez, 3ème bataille. On va attaquer lui en premier. Voilà, normalement, ça devrait lui faire plutôt mal. Voilà. Ah, j'ai pas fait des parfaits. Voilà. Ah, j'ai raté, mais ça l'a quand même mis KO. Bon, ça va, ça s'enchaîne assez vite. C'est plutôt cool, j'aime bien que ça s'enchaîne assez vite comme ça. On va faire... Lui, il me fait un peu peur. Oh, j'ai mon attaque... Non, c'était pas mon attaque spéciale. Je n'ai pas compris. Bon. Voilà. Mince, j'ai raté. Bon. Ah, c'est bon, il m'attaque pas normalement. Mais du coup, c'est quoi ça? TND. C'est pas attaque spéciale. Putain, on a encore jamais pu les pousser à leur faire leur attaque spéciale à mes personnages. Hein. Parce que vous avez dans 6, le fils, c'est dans 6 tours. C'est dans assez longtemps encore, donc. Alors, lui, on va l'attaquer direct, hein, carrément. Tiens, vas-y, toi. Ah, mais il a déjà mis KO. Voilà. Voilà. Enfin, on se débrouille pas mal. Mince, c'est raté, c'est pas grave. Mince. Il nous attaque pas maintenant, normalement. On va attaquer avec lui. Ensuite, on attaque avec lui. Voilà. Et voilà, maintenant, il n'y a plus de personnes qui ont faim. Hein. Je me rappelle plus trop ce que c'est exactement quand il y a de la viande. Je sais que c'est qu'ils ont faim, mais je sais plus ce que ça fait. Je crois que c'est que ça les empêche en tous les cas d'utiliser leur attaque spéciale. Je ne sais pas me battre avec des quoi abrutis. Bon, ok, hein, j'ai pas trop compris. Termine des aventures pour compléter ta collection de titres et augmenter ainsi le nombre d'amis que tu peux avoir. Bon, ça c'est pas le premier objectif. Hein. Ok, très bien. En tout cas, je suis content. Allez, ah, il monte pas de niveau, c'est pas grave. Allez, on débloque plein de personnages. Marine, on va pouvoir augmenter un peu nos personnages déjà existants.
Ouais, 65 de PV, c'est pas énorme. Oh, lui, il a l'air fort, par contre. Oh, lui, il a l'air plutôt fort, hein. 133 en attaque. On va aller voir si on peut pas l'augmenter un petit peu. Il m'a l'air plutôt intéressant. Ok, 10 points d'amis. Écoute, c'est plutôt pas mal. Ouais, on va aller augmenter le gros, là. Il m'a l'air plutôt intéressant. Ouais, du coup, il est énervé, purée. Luffy, ça suffit, calme-toi. J'ai pris ma décision. Je recrute Zoro dans mon équipage. Ouais, pour l'instant, tu as pas trop demandé, mais... Tu m'as frappé. Personne ne... Ah oui, mais il y a son père qui va arriver, normalement. Je suis le fils adulé du colonel Morgan. Je vais tout dire à mon papa. Non, mais t'es un gamin ou quoi? Gros gamin. C'est la catastrophe, cette fois, on est fichu. On verra bien, allons d'abord voir Zoro. Ah ouais, chapitre 4, ok. Attends, juste... renforcer. Alors, il y a... C'est lequel? C'est lui, là, qui est plutôt fort. Ouais, c'est lui. Attends, juste, je vais vérifier. Lui, par exemple. Ouais, non, il est moins fort. Lui, par exemple. Non, il est moins fort. Non, c'est vraiment lui qui est fort. Donc, du membre de la marine. Attends, lui, je l'ai pas. Attends, ça me perturbe. Lui, je l'ai pas vérifié. Ouais, non, il est nul. Non, il est nul. Ok, on utilise lui plus lui. Et lui. Non. Non, lui, Ah, lui, j'ai pas vu s'il était fort. 165 en PV, mais 105 en attaque. Lui, il a 144 en PV et 133. Non, je vais quand même... voilà, on va faire ça. Je préfère augmenter celui qui est plus fort en attaque. Parce que si on empêche les autres d'attaquer, on n'a pas besoin d'énormément de PV. Voilà, renforcement. Et j'espère que tu vas bien augmenter en attaque. Allez, niveau 6 déjà. Faire combien tu... Plus 11 en attaque, c'est pas mal. En plus, ouais, il augmente vite de PV. Bientôt au-dessus des 200. Allez, presque au-dessus des 100. Encore un niveau? Non. Oh, ça va, c'est pas mal. Lui, je vais le mettre dans mon équipe. Lui, j'ai... Toi, je lui dis rien. Je sais pas pourquoi t'es là. Hein. Comment je fais pour l'enlever? Comment je fais pour l'enlever, en vrai? Je peux pas l'enlever. Sélectionner tous. Ouais, toi, je t'enlève. Voilà. Et... Je mets... Ah mince, je peux pas le mettre. Ah mais du coup, si j'enlève celui-là... si j'enlève celui-là, voilà, je mets lui à la place. Ok, ça rentre pile. Oh, on a une bonne équipe là, comme ça. On a une bonne équipe. Ok, on continue notre aventure. Du coup, on va sûrement rencontrer le colonel Morgan. Ok, c'est parti. C'est parti. Alors, on va prendre pareil, on prend tout le temps le plus fort. Hein. Ça nous coûte rien de particulier. Donc, écoutez, on prend le plus fort. Et bon, il est un peu moins fort que le précédent. Et on a un membre d'équipage de moins que le combat précédent, mais je pense que ça devrait passer quand même. Te revoilà. Je pensais t'avoir dit non. Ouais, mais du coup, il sait pas qu'il va se faire exécuter en vrai. Je m'appelle Luffy. Je te libère si tu nous rejoins. Je t'ai déjà dit que j'ai d'autres plans. Les pirates sont du mauvais côté. Ah oui, lui, c'est un chasseur de pirates. Je m'en fiche. En tout cas, je te prends dans mon équipe. Ah oui, mais il lui laisse même pas le choix. Hein. Ce n'est pas toi qui décide. Bah si, c'est le capitaine. On dit que tu sais manier le sabre. Où est ton sabre? L'autre crétin me l'a confisqué. J'y tiens autant qu'à ma vie, c'est mon trésor. Ton trésor, rien que ça. Tu as l'air d'être vraiment attaché à ce sabre. Ok. Je vais aller le récupérer. Des mains de cet enfant gâté. Ok. Faudrait qu'il mette des plus grosses bulles au pire. Si tu veux le récupérer, tu devras faire partie de mon équipe. Bah oui, ça forcément. Hein. Espèce d'escroc, tu m'as roulé. Il est con. Oh là là. Il est malin quand même, hein. Il est bête et malin à la fois. Bon allez, c'est parti pour le fight, pour le combat. Un trésor inestimable, je deviendrai le roi des pirates. 1 sur 3, bon ça devrait aller assez vite normalement. On va attaquer celui-là en premier. Voilà. Voilà. Je pense normalement ça devrait le faire. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, mon ordi me... Parce que là ma tablette est branchée à mon ordi, du coup je sais pas ce qui se passait. Alors on va attaquer lui, il me paraît un peu plus dangereux. Voilà. Ah, c'est pas ça que j'aurais dû faire. Oh, dis donc. Ah, il l'a défoncé. Hein. Ok, on va partir sur ça. Pas mal. Il est bon le nouveau qu'on a acheté. Hein. Il est très bon. Il est vraiment très bon. Ok. Et le boss, si le boss c'est Morgan, excuse-moi, mais... Allez, on le défonce lui. Voilà, c'est fait. Voilà. Et voilà.
Bon, c'était ça le boss. Bah écoute, c'était pas terrible, hein. Je ferai tout mon possible. Un trésor inestimable, ouais. Ok, très bien. On a récolté encore des affiches, on pourra augmenter nos personnages. À moins qu'ils soient vraiment forts, mais... Pour l'instant, je préfère augmenter mes personnages déjà existants. Allez, là, on monte de niveau, normalement. Très bien, on monte pirate niveau 7. Et notre stamina est restaurée. Ok, je suis content. Plutôt content. Première victoire, par contre, ils nous mettent tout le temps première victoire, alors que pas du tout, hein. Ok. Tu as 10 points d'amis, ok. On va vite fait augmenter le nouveau, là. J'ai vraiment envie de bien l'augmenter. Donc, renforcer, il est où? Il est là. Plus. Voilà. Ok. Renforcement. Non, et puis son canon, tout à l'heure, il a attaqué. Je sais pas trop pourquoi, mais ça nous a bien aidé. Hein. Donc, j'étais plutôt content. Et voilà. Niveau 11. Bonus perso identique. Ok. Ah, on a un bonus quand on utilise le même perso. D'accord, je savais pas. Exploration de la base navale. Il y a combien de chapitres? Ah, il y a 9 chapitres au-dessus. J'ai pas vu que c'était marqué. Oh, tiens. Un loup. Comment? C'est qui lui? Chaka le gardien d'Alabasta, non? Ok, je savais pas qu'il pouvait y avoir 9 chapitres. Bon, au moins, c'est bien. Hein, on sait à peu près jusqu'où on va. Ah, là, il va chercher à récupérer le sabre. Par ici, ne laissez pas s'échapper. Plus un geste. Tu es fait comme un rat. Ah, ça m'étonnerait. Tu es fait comme un rat. Prends pour qui? Tu me connais pas. Allez, j'ai pas encore d'affiche à mon nom, je crois, non? J'ai pas encore recherché. Bon, allez, c'est parti, je suis la fille au chapeau de paille. Bon, ce combat, ça devrait aller assez vite. Ouais, bah, il l'a défoncé direct. Voilà. Et voilà. Bon, vous voyez, je pense que c'est une bonne idée d'avoir augmenté le gars au canon. Il est pas mal, hein. Alors, il me fait un peu peur. Du coup, ouais. Ah, il est résistant, hein. Résistant, dis donc, hein. Ah, j'ai raté, je l'aurais tué sinon, je pense. Ah, il attaque plusieurs en même temps et lui derrière, il me. Voilà. Voilà, normalement c'est bon. Ouais, moins résistant, eux déjà. Mince. Ah, j'ai raté totalement mon truc, c'est pas grave. Ah, ouais, j'ai raté totalement ce que je voulais faire, hein, c'est pas grave. Boss. Ok, boss. Par contre, ouais, mais ils feront jamais leur attaque spéciale. Ah, lui, il a l'air un peu plus fort derrière. Voilà. Et voilà, très bien. Ah, s'il en restait un, j'ai pas vu. Ok, bon, ils s'en sont occupés tout seuls. Très bien. Ça me dérange pas. Hein. Ok, très bien. Le combat s'est plutôt bien passé. Voyons dans cette pièce. Eh ouais, il y a les 3 sabres. Ah, il est content. Ah, il est content de faire plaisir à Zoro. C'est très. Bah, il prend les 3. On dirait qu'il se passe quelque chose là-bas. Kobe! Qu'est-ce qui lui arrive à Kobe? Réussi. Eh oui, bah oui, j'ai réussi tout ce que je fais. Modifie ton équipe pour essayer de rééquilibrer, non? Qu'est-ce qu'il a dit? Alors. Et quand j'aurai assez de gemmes arc-en-ciel, il faudrait que je fasse un recrutement rare. Parce que du coup, ça m'en fera encore meilleur. Ça pourrait être pas mal. Ok. Oui, ouais, je lui envoie une requête d'amis, hein, écoute. Et on va en renforcer, du coup, on va pas renforcer tout le temps le même non plus. On va renforcer un peu Baggy, j'aimerais qu'il passe niveau 10. Qui je peux utiliser? Je peux pas. Ouais, on va utiliser Mister Two, là. Et voilà. Renforcement, là, ça devrait bien me le renforcer, normalement. Ah mince, c'était un 3 étoiles, du coup. Tant pis, hein. J'ai totalement oublié. Tant pis. Voilà, 206 en attaque, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Bon allez, aventure, on continue. 3 en stamina, ça va. Ah, par contre, là, ils sont pas... Bon allez, on prend lui. Sélectionné. Ils sont pas énormes, hein. Bon, le niveau du pirate, il était niveau 9, mais ce personnage-là est pas super. J'aime bien les musiques. Par contre, ça va me rester dans la tête, ça va être horrible. Ça va me... Bref. Alors que Luffy récupérait les sabres, Kobe était retourné voir Zoro. Tu es sûr que tu veux m'aider? Si le colonel te voit avec moi, tu vas te faire tuer, je te préviens. C'est injuste de t'infliger une telle punition. Quelle honte pour la marine. Tu ferais mieux de filer d'ici. Quoi, t'occupe pas de moi. Ils ont promis de me libérer si je survis un mois. Ils ne te libéreront pas, ton exécution est prévue pour dans 2 jours, tu n'aurais pas dû le croire. Il n'a jamais eu l'intention de tenir sa parole. Ah, ça va pas lui plaire ça.
Fini la plaisanterie. Nous allons vous exécuter sur le champ pour avoir osé déobéir au colonel Morgan. Je ne peux pas mourir ici, pas maintenant. Feu ! Et là, Luffy arrive, et bien sûr, il craint pas les balles, même pas mal. Ah, c'est un fou, lui, hein. C'est un fou. Toi, qui es-tu donc ? Tiens, ah, il est intéressé maintenant. C'est lequel ton sable ? Dans le doute, j'ai ramené les trois. Les trois sont à moi. Ah oui, il aura pu le préciser, c'est vrai. Je pratique le Santoryu à trois lames. Ok, les balles sont inutiles, utilisez vos sabres. Ah, il nous aide, hein. Il n'y a pas à hésiter, il nous aide, Luffy, du coup. Plutôt que de crever ici, je préfère devenir pirate. Ah, ça, c'est bien. Ah, ça fait plaisir. Ah, j'aime bien quand il est comme ça. Ça, c'est bien. Ok, il veut devenir pirate. Eh bien, je t'accepte dans mon équipage. Je sais pas si je vais le récupérer dans mon équipage, du coup. Zoro, maître à trois sabres. Ouais, là, il y est même pas. Il fait même pas le combat, en fait. Allez, on attaque. Là. Voilà. Oh, j'ai fait un parfait. C'est tellement rare. Voilà, très bien. Bon, la suite. Ah, ils vont jamais utiliser leur attaque spéciale. Vous voyez, ils sont à... Genre, Luffy, il est dans 11. C'est le plus proche, hein. Voilà, on s'en occupe d'un. Ah, c'est pas lui que... Non, attaque lui. Ah, je peux modifier pendant l'attaque la personne que je vais attaquer. D'accord, ça, c'est intéressant. S'il commence à m'attaquer le 2, un gars qui est marqué 2, je peux changer. Ah, ça, c'est intéressant, par contre. Ah, je savais pas. Oh, par contre, il m'a l'air d'être violent, lui, hein. Ah, il m'a l'air d'être... Mais c'est plutôt violent, par contre, faut que je fasse mieux que bien. Ah, parfait. Ah, raté. Super. Ah, yeah. Bon, ça va, on peut encore attaquer. Voilà. Voilà, pas mal. Normalement, on devrait réussir à le mettre KO avant que... Avant qu'il puisse attaquer. Ok, Baggy. Voilà. Allez, bientôt fini. Ah, il faiblit, hein. On voit qu'il est à genoux, il faiblit. Écoutez, il est plus tout seul maintenant, donc... Je pense que, au fur et à mesure qu'on va avancer, les combats seront plus longs. Du coup, on verra de plus en plus d'attaques spéciales, ça sera intéressant. Donc je pense que le plus intéressant reste à venir. Je ne sais pas me battre avec des sabres abrutis. Ouais, lui, il a pas besoin de sabres. Hein. Il a pas besoin. Un combat te pose problème ? Non. Aucun combat ne me pose problème. Allez, niveau suivant ou pas ? Non, pas encore. Ah, prochain combat, on va peut-être monter niveau suivant. Première victoire, arrête avec la première victoire. Hein. Je sais pas pourquoi il me dit ça à chaque fois. Ok. C'est fini ? Non ? Bah non, il me faisait pas ça à chaque fois. Non, la mission en tout cas, en tout, est pas finie. Ok, on passe direct au chapitre 7. On fera l'augmentation plus tard. Niveau 12, on prend lui. Ok, c'est parti. Allez, tous au moins niveau 10. Ah, on sent qu'on avance quand même dans l'aventure. Allez. Ça va être quoi le scénario cette fois ? Toujours le combat, détruit la base navale, d'accord. C'est tout. C'est simple, mais c'est clair au moins. Voilà. Oh, j'ai fait un parfait, c'est rare. Hein. C'est rare que je fasse des parfaits. Non, on attaque lui, et lui... non, bah on changera en cours de route. Voilà. Voilà. On attaque lui. Voilà. Voilà, allez, on a... Donc c'est bon, là, j'ai réussi à... Je comprends un peu mieux. Par contre, vous l'attaquez pas ou quoi ? Allez, toi, tu attaques. Voilà, bien. Bon, allez, le boss. Je sais pas qui va être le boss. Je sais pas si ça va être un gars comme tout à l'heure qui attaque dans plusieurs tours, mais qui est très résistant. Tu vas voir ? Non, c'est un peu tout le monde. Ok. Allez, on fait attaquer tout le monde. Ouais, faut vraiment que j'attende jusqu'au bout. Là, par exemple, j'ai fait un parfait. Encore un parfait. Ah, là, j'ai fait un raté, par contre. Oh, un parfait. C'est tellement rare, mais c'est vrai que ça fait beaucoup plus de dégâts. Hein. On va pas utiliser celui qui est en I violet tout de suite. On va l'utiliser maintenant. Mince. Ah, j'ai raté. Bon, j'ai fait que rater, mais j'ai réussi quand même. Donc, tant mieux. Ah, des fois, je rate et des fois, je réussis à faire des parfaits. J'ai réussi à faire un peu plus de parfait que les précédentes vidéos maintenant que je comprends un peu mieux. Et puis on peut. Voilà, j'ai des trucs que je comprends un petit peu mieux quand même. On peut modifier pendant l'attaque, on peut modifier qui on veut combattre, ça c'est intéressant. Berry. Oh, on a pas mal de berry quand même. Ah, il est presque. Presque, presque. Première victoire, du coup on débloque ça. Oh, qu'est-ce que c'est ? Oh, il a l'air fort lui. Il a l'air fort. 126 et 126 en attaque. C'est pas mal, hein.
Et il était à combien nous tout à l'heure? 144. Non, il était meilleur même. Non, il était meilleur notre personnage de tout à l'heure. Titre obtenu, quête terminée. Ok, très bien. Ouais, on lui envoie une demande d'amis. Hein. Bon, on va juste faire un coup de renforcement. On va renforcer. On va renforcer un petit peu. Je sais pas. Bon, est-ce qu'on renforcerait pas un peu lui? Parce qu'il nous en faut un autre fort. On va renforcer lui. Voilà. Voilà, tant pis, j'utilise le pingouin, il est pas très utile. Et voilà. Bon, ça lui renforce pas énormément, mais ce sera déjà ça. Oh, il est devenu grand. Voilà, il y a 13 en PV. Bon, il gagne pas énormément en attaque d'un coup, je trouve. RCB, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce que ça veut dire. Ok, très bien. Aventure, on continue. Plus que deux chapitres, on aura fini avec tout ça. Allez, on reprend lui, je crois qu'on l'avait déjà utilisé, mais il était pas mauvais, hein, je me rappelle. Il était pas mauvais. Bon, c'était pas très dur, ça va, c'était plutôt rapide, j'ai bien aimé. Moi, j'aime bien quand on fait pas mal de choses, et qu'en même temps, c'est assez rapide. Attends, je t'ai dit d'attendre, t'es sourd? Plus un geste si tu veux pas qu'il meure. Au moindre mouvement, je tire. Luffy, il écoute pas. Ne t'inquiète pas pour moi. Je n'ai pas peur de mourir. Ouais, du coup, il est tellement content. Oui, je sais. Il est tellement content d'avoir échappé à Lady Alvida. Abandonne, débile. Kobe est sérieux. Je t'aurais prévenu. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Hermep. Et c'est quand qu'il arrive, le colonel Morgan? On va bien le voir au bout d'un moment, parce qu'on entend colonel Morgan. Bon, je sais à quoi il ressemble, mais bon. J'aimerais bien le voir, hein. Ça va être le boss vraiment de la fin, je pense. La résolution de Kobe. Princesse Vivi, je ne le supporte plus. Bon, elle est pas là, la princesse Vivi, mais c'est pas grave. Ouais, on va déjà s'occuper du pingouin. Voilà. Mince. Mais non, du coup, j'ai raté ça. Ah, j'ai mal fait le truc là. Allez, super. Ah, raté. Ah, bon, il l'a mis KO quand même. J'ai pas compris pourquoi des fois ça arrête le truc. Voilà. Bien. Ah, j'ai débloqué quelqu'un de rare, je crois. Quelqu'un de fort en tout cas, il me semble. Voilà, on va commencer par lui. Voilà. Donc ça, à la fin, on s'occupe de la tortue. Mince, ah, j'ai raté. Bon, elle attaque pas tout de suite. Hein. On va faire attaquer lui. Voilà. Et dernière attaque normalement. Voilà, très bien. 4 sur 5, oui, j'ai oublié qu'il y avait encore la suite. Et on attaque lui en premier. Qui on met? Alors, on va mettre Baggy. Et Luffy, en plus, il va bientôt pouvoir normalement utiliser ses attaques. Ah, du coup, j'ai raté. Ah, j'ai raté. Bon, ça va, je me fais pas attaquer tout de suite. Et on utilise celui-là. Voilà, c'est puissant. Hein. Voilà. En fait, quand on fait des combos de parfait ou de super, je crois qu'on augmente en puissance aussi. Allez, Luffy, il va pas pouvoir utiliser son attaque spéciale, tant pis. Hein. C'est pas grave. On va attaquer lui derrière, là, il me fait paniquer un peu. Ah là, ça va être un peu compliqué, je sens, ce combat. C'est pas grave. Ah, j'ai raté. Bon, c'est pas grave, on l'a mis KO. Ok, on se fait un petit peu attaquer. Ah oui, ils sont trois à nous attaquer en même temps, par contre. Bon, là, on les attaque tous, hein, peu importe. Voilà. Voilà. Voilà, je l'ai pas loupé là. Voilà. Et voilà, déjà deux en moins. Bon, on se continue de se faire attaquer. Ah, ça, c'est les PV total de mon équipage. D'accord. J'ai pas vu. Voilà, lui, bon, il est un peu nul, Hermep. Il s'est fait mettre KO direct. On va mettre lui. Voilà. Voilà, très bien. C'était pas facile, hein. Mais j'ai pas fait attention, en fait, c'est le PV total de notre équipage qui est en vert, la barre verte au-dessus de l'équipage. Ok, je sais pas, d'accord, très bien. Bon, moi on le sait. Bon, du coup, on a débloqué un truc rare, enfin, comment dire. Ah, je sais plus comment on dit déjà. Bref, on a débloqué un truc rare. On a une affiche, oh, dis donc. Une affiche marron, on a débloqué deux affiches marron même. Ok, bon, pas très intéressant. Oh, niveau niveau. Ah non, il est nul. Et là, c'est... Ok, il a l'air fort, non? Ouh, 155 en PV. Ça peut être intéressant, ça. Lui, est-ce qu'il est plus intéressant? 150... Oh, lui, il est plutôt pas mal, hein. Lui, je vais l'augmenter un petit peu. Ouais, on voit une...
une demande d'amis. Hein. Je vais l'augmenter un petit peu, écoutez. Alors, c'est lequel? C'est lequel? Je crois que c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Peut-être celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est lui. Voilà, 200-328, je crois que c'est lui que je voulais. Il est pas mauvais, hein. Moi, il m'a l'air pas mauvais du tout. Est-ce que j'utilise lui aussi? Ouais, là, comme ça, il va être encore plus fort. 200-328, je pense qu'il va être pas mauvais après. Oula, prouesse, expérience, 1,5. Bah écoute, c'est tant mieux. Vous voyez, il est déjà à 144 d'attaque, il continue d'augmenter, 152, 160. Oh purée, tout ce qu'il augmente. Et ça, non mais t'es sérieux, tu t'arrêtes. Ok, ouais, 299, 176. C'est pas mal, hein. Modifier équipe. Ouais, du coup, lui, il est plus. Non, il est toujours. Ouais, j'ai envie d'échanger. Tiens, on va changer un petit peu. Toi, je peux t'échanger. Par lui, non, je sais pas. Bref, non. Non, ça servait à rien en fait ce que j'ai fait, c'est pas grave. Fermé. Et on part à l'aventure. Dernier chapitre. Et on en a fini avec cet endroit. Là, je pense qu'on va croiser le colonel Morgan, à mon avis. On va prendre lui. On a déjà utilisé tout à l'heure, je crois. Ouais, il y en a des fois qu'on réutilise les mêmes, c'est pas grave. Hein. Tant mieux, ils sont forts, donc on les réutilise. Prendre le colonel Morgan, je pense que là, ça va pas être du gâteau de le battre. Hein. À mon avis, il va être assez fort. Ah, et bah le voilà. Mon colonel, ah, il est énervé, ces gars-là, oh, on n'arrivera jamais à les battre. Bah alors bats-toi, nous n'avons aucune chance d'en venir à bout. Écoutez-moi, j'exige que tous ceux qui viennent de pleurnicher se tirent une balle dans la tête. Ils vont pas le faire, quand même. De pareilles lavettes ne méritent pas de me servir. Exécution, non mais arrêtez, faites-le pas. Non mais faites-le pas. Mais vous êtes pas cons quand même. Ils vont pas le faire. Ces militaires sont complètement fous. Qu'est-ce qu'il fait? Anéantis-moi cette marine à la noix. Ouais, lui, la marine qu'il imagine, c'est une marine qui protège la population. Mais des mauvais pirates, pas des pirates. Il y a des pirates gentils, hein, on voit bien. Morgan le hacheur. Ah, ça va être tendu, je pense. 1 sur 5. On se débarrasse de lui. On va commencer avec lui. Voilà. Mince, j'ai tapé 100 fois trop tôt. Voilà. Mince, du coup, j'ai loupé. Voilà, on change tranquillement. Je garde celui qui a une attaque forte pour le prochain coup. On va attaquer lui derrière. Voilà. Voilà, on s'en débarrasse. On s'en débarrasse. Et on s'en débarrasse. Voilà, ça se passe plutôt pas mal. On n'a pas pris de dégâts pour l'instant. Alors lui, il me fait un peu peur. Donc on va attaquer lui. Ouais, il a l'air d'être résistant. Je pense que c'est le genre qui nous attaque à plusieurs à la fois. Voilà. Et voilà, on s'en est débarrassé. Là, eux, ils vont pas vivre très longtemps. Je sais pas pourquoi ils ont TND. Je comprends pas à quoi ça correspond. Voilà. Ah, j'ai raté. En fait, quand il fait son canon, j'ai jamais le réflexe d'appuyer. Mais il faut quand même appuyer. Même s'il attaque, il faut quand même appuyer. Ouh là là. Ça va être un peu plus dur, je pense. Déjà. Voilà. Mince, j'ai fait 100 fois trop tôt. Voilà. Mince. Ah, j'ai raté mon attaque, je crois. Allez, faut qu'on le mette KO, lui. Ah, faut que je fasse des super un petit peu. Hein. Des parfaits, je veux dire. Voilà, parfait. Parfait encore. Ah, j'ai raté. J'ai attendu un petit peu trop longtemps. Aïe, 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 ça fait mal, ça, par contre. Allez, on attaque avec lui. Parfait. Tain, on l'a défoncé d'un coup, du coup. Pas mal. Allez, là par contre, ça va pas rigoler. Hein. On est au boss contre Morgan. Attention. Insolent, de quel droit prétends-tu pouvoir te battre contre moi? Tu vas regretter ton imprudence. Je suis le colonel de la marine, Morgan le hacheur. Meurs. Ok, bah écoute, c'est ce qu'on va voir. Mais je sens qu'il va pas être facile à battre. Hein. Du coup, on attaque, hein, c'est sûr. Allez, c'est parti. Allez, il attaque pas tout de suite. Hein. On a le temps de lui faire le plus de dégâts possible. Ah, raté. Voilà. Ah, on a fait un petit parfait. Ça, c'est pas mal. Ah, ok. On en a deux qui ont des attaques spéciales. Ça, c'est cool. Voilà. Parfait. Super. Super encore. Et raté. Dommage. Voilà. Lui, on lui enlève son truc. Mince, j'ai fait un parfait. Parfait encore. Oh là, je les enchaîne presque. Ah,
super. Là, on a lui enlevé pas mal de vie. Bon, il est pas encore KO, mais... faut que je fasse encore plus de parfait. Voilà, pas mal. Pas mal. Super. Là, on est bien. On est bien. Oh! Allez, vas-y, toi, tu... Oh, il fait son attaque spéciale. Ça, c'est pas mal. Ouais, j'ai... Oh! Ouh, la violence. Oh, les dégâts qu'il lui a fait. C'est pas grave. Ah, ça, ça... Oui, on voit la différence dès que tu fais une attaque spéciale. Ça, c'est pas pour rire. Hein. Alors, il y a 5 types de personnages dans le jeu. Bon, ça, c'est trop compliqué. C'est un peu trop compliqué pour moi. J'ai pas envie de réfléchir. Ok, bon, tout s'est bien passé. Je pense qu'on va peut-être... Ça va nous rapporter pas mal d'expérience. Ah non, pas tant que ça. Hein. Je pensais que ça nous en rapporterait plus. Une gemme arc-en-ciel. Écoute, très bien. Ok, un crabe bleu. Ouais, bon, c'est pas terrible. Hein. Et... Ah, lui, il a l'air... Il a l'air pas mauvais. Ah non, il est pas aussi fort que celui qu'on avait eu avant. Titre le premier. Je peux ajouter un nouvel ami encore. Ok. Très bien, bon. Eh ben, c'était assez long, ce chapitre, mais on s'en est bien sorti. Puis c'était intéressant, je trouve. C'est pas... Je sais pas, moi, je m'ennuie pas, en tout cas. Après, à regarder, c'est toujours peut-être moins intéressant que pour celui qui joue. Mais moi, j'ai bien aimé. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Même les prétendus alliés de Morgane étaient soulagés de sa défaite. La ville de Shell n'aurait plus à se soucier d'Hermep non plus. Qu'est-ce qu'ils disent alors? Au fait, qu'as-tu prévu pour la suite des opérations? Nous partons sur Grand Line. Et lui, il vient avec nous? Tu es vraiment complètement ma boule. Pense plutôt à ton propre sort. Tu as passé 2 ans à bord du navire d'Alvida. Si la marine l'apprend, tu ne seras jamais matelot. Ah bah du coup, il va le recruter ou pas? Désolé d'interrompre votre repas. Est-il vrai que vous êtes des pirates? Si c'est le cas, je dois vous demander de partir. Bon, allons-y. Mais Kobe, il va rester, je pense. Ouais, je pense qu'il va rester. Tu n'es pas l'un des leurs? Hein? Moi, je ne suis pas un pirate. Vous savez ce qu'il faisait avant que je le rencontre? Cet enfoiré. Il était au service d'une bonne femme grosse comme ça. Lady Alvida, qu'elle s'appelle. Mais pourquoi il le... Ah oui, c'est vrai que je crois qu'il fait semblant de balancer. Cette bonne femme était une vraie furie, mais... Pendant deux longues années... Il en a déjà trop dit, il faut qu'il se taise. Ah oui, d'accord. Ça suffit. Ah d'accord. Arrête. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je me rappelle plus très bien. J'ai bien compris qu'il ne fait pas partie de votre équipe. Hein? Mais je crois que c'était fait exprès. J'ai compris, il a fait exprès de me provoquer. Oh, qu'il est gentil, Luffy. Je vous en prie, laissez-moi entrer dans la marine. C'est bien, Kobe. Faites-moi confiance. Bravo, Kobe. Tu es un grand garçon, je serai un officier d'exception. Eh bien, j'imagine. Beaucoup d'hommes ont perdu la vie contre les pirates. La marine, c'est pas de la rigolade. Je t'autorise à rentrer dans nos rangs. Ah, c'est lui qui décide comme ça? Merci, mon commandant. Eh bien, bravo, Port. Allons-y, en tout cas. Hein. Ton petit numéro n'était pas très discret. Je ne pensais pas que ça marcherait. Bah, maintenant, c'est à Kobe de jouer, pardon. Je suis sûr qu'il saura se débrouiller. Le Luffy! Eh ben alors, t'étais pas censé lui parler. Merci pour tout. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. On se reverra un de ces jours, Kobe. Garde à vous! Allez, attaquez-le. Bah, vous êtes quand même de la marine. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il dit hein? Ah, tu as de la chance d'avoir de pareils amis. Oui, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai que t'as de la chance. Hein. Allez, c'est parti. Cap sur Grand Line. Ok, on est parti pour Grand Line. Là, ça va commencer les choses sérieuses normalement. On a combien de minutes de vidéo? 38 minutes? C'est pas vrai. Ah purée, c'est passé super vite. Oh là là, c'est passé super vite en vrai. Alors, de plus, obtient cette... Ok, on a débloqué Zoro. Le monde se souviendra de mon super rare. Ah oui, niveau 1, il est déjà 126 de PP. Ok, c'est pas mal. Non, quoi que niveau 5, s'il gagne... Je sais pas. Oh là, félicitations, village orange. Ok, oui. Je me souviens plus. Aventure à durée limitée disponible. Touche le signe... Quoi? Ok, du coup, prochaine étape, village d'orange, c'est avec Baggy le clown, je crois, tout ça. Juste, tant pis, on renforce, hein, on va pas s'arrêter maintenant. On va renforcer un peu Zoro, par tous ceux qui peuvent l'aider à se renforcer. Je sais pas si c'est forcément le meilleur, mais... Je peux augmenter, non.
Voilà, dans tous les cas, c'est un personnage du manga et j'ai quand même envie d'utiliser surtout les personnages du manga. Hein. J'en ai d'autres que qui sont forts que je garde, hein. Mais voilà. 28 et 13, ah si, il est pas mal. Hein. Ah si, ouais, si, il est pas mal dans tous les cas. Hein. Voilà, encore. Encore. Ça arrête plus. Il est dépassé 300 alors qu'il est niveau 8, hein. C'est pas mal. Hein. Attends, on peut encore le renforcer. Voilà, voilà. Ok. Et renforcement, et normalement, c'est bon. Il monte niveau 10 au moins ou pas? Ouais, je pense niveau 10. Non, pas du tout. Ok, très bien. Effectif. Qu'est-ce qu'il y a sur l'effectif? Ok, bon. Aventure. Bon, on va pas faire le village d'Orange. Il fait combien de chapitres? Faire genre si je clique... Oh, j'aurais peut-être pas dû, c'est pas grave. Mais je vais juste voir le nombre de chapitres, tout ça, tout ça. J'aurais peut-être pas dû. Hein. Bon, on va s'arrêter ici. Bon, on va faire le dialogue, tant pis. Hein. Après avoir dérivé, ils arrivèrent au village d'Orange. Qu'est-ce que c'est que ce village? Ah, je meurs de faim. Ouais, si, c'est bien le village de Baggy le Clown. Tu n'as pas l'air très doué en matière de navigation. Hein. On a bien fini par arriver quelque part. Voilà qui ferait bien rire un vrai pirate. On n'est pas prêt d'arriver à Grand Line. On a intérêt à dégoter un navigateur en vitesse. Ouais. 13 chapitres, le village d'Orange. Eh ben, dis donc. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi cette troisième partie de One Piece Treasure Cruise. J'espère que vous aurez apprécié. Je pense que je vais tourner la quatrième partie juste après parce que j'ai envie d'y jouer. Franchement, j'adore. J'adore ce jeu. Donc, je vous remercie. Et voilà, je vous dis à très vite. Bye.